Attendez, on s'installe. Je vais être vilaine comme un pot avec le soleil. Non, au contraire, ça va t'illuminer la figure. Grave, ça me grossit surtout. Allez. Salut. Alors, aujourd'hui, on revient pour un swap, mais un swap qui n'est pas commun. Je vous explique. Bon, déjà, on s'est mis dehors parce qu'il fait beau. Nous, vive le sud, il fait beau. Tu vas pas faire ça tout le long de la vidéo, non? J'aimerais, non. Mets-toi un petit peu vers moi. Voilà. Non, parce que si je me pousse... Ouais, c'est bon. Donc, du coup, un swap que j'ai fait avec la marque Wish. Pour, le nom, c'est Santa Fe. Alors, je sais pas si c'est... faut dire Wish ou Santa Fe. Mais c'est Santa Fe. Donc, c'est Santa Fe. Alors, le concept était que... En fait, il y a une autre influenceuse. Donc, pour le moment, je ne connais pas du tout le nom. Je ne sais pas du tout qui c'est. Donc, je ne sais pas du tout, même si je vais connaître le nom de cette influenceuse ou influenceur du tout. Si je le connais, je vous le mettrai. Si je ne le mets pas, c'est que je ne le connais pas. Et en fait, on avait 200 euros de cadeaux à choisir chacune. Pour l'autre. C'est-à-dire pour l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi sur Wish 200 euros d'articles. On devait choisir entre 4 et 6 articles. Et elle est pareil, devait choisir entre 200 euros d'articles, entre 4 et 6 articles. Donc, j'ai reçu mes articles qui sont ouverts. Alors, je vous explique pourquoi ils sont déjà ouverts, parce que vous allez dire, elle a triché et tout. Pas du tout, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chahine sait ce qu'il y a à l'intérieur, parce que, en fait, j'attendais d'autres colis. Tout le monde s'est retourné. J'attendais d'autres colis. J'attendais plein de colis avec d'autres marques. Donc, comme sur les... il y avait certains colis où c'était pas marqué Wish dessus. Donc, je demandais à Chahine... Il y a du pollen ou quoi? Donc, j'ai demandé à Chahine d'ouvrir et de vérifier mes colis parce que je savais ce que moi, j'avais commandé. Mais par contre, là, je savais pas du tout ce que j'allais recevoir par l'autre fille. Donc, j'ai demandé à Chahine d'ouvrir les colis et de regarder ce que c'était parce que lui savait déjà ce que j'allais recevoir. Donc, il me disait si c'était pour Wish ou pas. Donc, après, voilà. Il m'a fait un peu râler, et je vais te le dire, et je te laissais pas. Il m'a fait un peu râler pendant une semaine. Moi, je dirais que le râlage, il était plus pessimiste que positif. Qui? Bah, le râlage de Chahine, oh, Seigneur Dieu. C'est ça. Parce que Chahine est là, il veut voir ma réaction. Parce que lui, il sait ce qu'il y a dans les cartons, mais pas moi. Voilà. Et donc, je peux le dire, qu'est-ce que c'était ces trucs? Non. Non, mais pas qu'est-ce que c'était les colis, qu'est-ce que c'était ces réactions. Vas-y. Chahine disait... Oh là là, c'est nul. Oh là là, c'est un enfant qui te l'a fait. Oh maman, tu vas être dégoûtée. Ah non, mais c'est trop nul. Oh non. Voilà. Tu vas ça, voir. C'était Chahine qui m'a dit ça toute la semaine, pendant 15 jours. Il est mort de rire de ce qu'elle va avoir. Donc pendant 15 jours, je me suis dit, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je vais recevoir? Parce que moi, je me suis dit, attends, Wish, quand même, c'est quand même un site assez grand. Donc je pense quand même, il y a quand même du choix. Donc après, peut-être que je vais être contente. On n'a pas les mêmes goûts, Chahine et moi. Qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi tu regardes Chahine comme ça? Parce que toi, tu Seigneur sais... Dieu. Tu sais tout? Non. Ah. Mais je sais la plupart. Quoi. Bon, alors je fais le plus gros qui est par terre en dernier. Bon, alors Chahine, il va me donner du plus nul au meilleur. Voilà. Alors, c'est Chahine qui va choisir et on va voir. Moi, j'aurais fait du meilleur au plus nul. Hein. Non, du plus nul au meilleur. Comme ça, si je suis dégoûtée, après, je serai contente. Enfin, alors que si je suis contente que je suis finie en dégoûtée. Bon, allez, le plus nul. Chahine, donne-moi le plus nul. Il hésite, ils ont hésite. Tous nul. Ouais, merci quoi. Attends, c'est pas gentil pour la fille quand même. Imagine, elle s'est tracassée le cul pour chercher les trucs. Vous êtes pas gentil quand même. Hein. Mais d'après Chahine, ce serait un enfant. Hein. Alors madame, si tu vois cette vidéo, après, peut-être que t'as 8 ans. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts aussi. Hein. Ouais. On peut pas avoir les mêmes goûts. Allez. Lequel? Tu l'as? Oui, ben prends-lui. Allez. Ça, tu sais qu'est-ce que je vais faire là, cette semaine? J'ai commandé mes bandes, Christ. Allez, vas-y, continue. T'as des boutons, toi? Ouais, je sais. Mais je peux pas lisser aussi. Vous voyez, ils sont ouverts. Hein. Alors déjà, j'essaie de deviner ce que c'est. Il est mort de rire. Alors moi, je dirais une guirlande de Noël. Arrête. Oui, c'est vrai. En plus, je te jure, c'est une guirlande de Noël. C'est une guirlande de Noël. Ah, mais ça, attends, il y a la télécommande et tout. Mais, c'est fabuleux. Mais attends. Il y a une action. Non, mais attends. C'est Wish, hein. Oui. Je pense qu'elle a pensé à Noël. Ouais. Hein? Parce qu'elle a dû se dire, c'est période de Noël, donc à mon avis, elle a pensé à Noël. Donc, une première article. Une guirlande de Noël. Attends, Chahine, ça, tu peux le mettre autour de ton lit. Non, avec... ça va aller dans mon lit, ça. Avec la télécommande et tout. Donc, alors, premier article, guirlande de Noël. Ah, ça va, ça, elle a branche un USB, donc en à fait, mon c'est avis... des guirlandes qui tombent comme ça derrière le lit. C'est trop beau, ça, Chahine. En fait,
Mais tu le... Ah ouais. Ben ouais, bonne idée. J'ai pris mon chat. Ah, alors en fait, à mon avis, il y a un bouton. Il y a même... Ah, ça doit changer de couleur. Oui, c'est des guirlandes que tu effiles comme ça derrière le lit, je crois. Ouais, en fait, à mon avis, ça là, tu l'étends comme ça tout le long et en bas, ça tombe en pluie. Ouais, ça va être un joli décor pour un fond de vidéo. Ouais, franchement, ça va. Je suis pas déçue. Non. Ouais, mais bon, pour l'accrocher, merci. Hein. Je me trop galère à accrocher ça. Tu mettrais des clous. Tu mets des clous, tu le mets par-dessus. Tu mets des clous dans le mur. Ben oui, tu mets où les clous? Papa, il va dire les clous. Il va avec les clous. Allez, deuxième article. Celui-là. C'est une boîte. Moi, je dirais que c'est une boîte pour enfermer les cadeaux de Noël. Arrête, parce que toi, tu connais tout. Pourquoi tu me dis avant? J'ai jamais dit que c'est... Je sais pas du tout ce que c'est. Mais vu que ça parle de Noël. Ou alors une boîte à musique. Une danseuse étoile. Non, ça, c'est pas pour Noël, ça. Je crois qu'elle a pensé qu'il y avait le Covid chez nous, non? Je sais pas combien d'en acheter un, mais... C'est pas que tu viens d'en acheter un à Action. Attendez, je vous montre. Je pense qu'elle a eu peur, je crois qu'elle soit malade. Je sois malade, non? Un petit peu quand même, non? Que merci. J'ai... J'aurais un thermomètre pour Toulouse, comme ça, c'est le Covid. Que j'ai le Covid. Donc, c'est un thermomètre frontal. Bon, après, pour ceux qui en ont pas, c'est... C'est bien, mais j'en ai une. J'en ai déjà une. Mais en plus, c'est le même qu'on a. Période de Noël, période de Covid. Hein. Ah, c'est exactement le même que j'ai? Bah oui. C'est non, exact. C'est pas exactement. Si. Ah non. Si. Pas du tout. C'est exactement le même. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Je m'en il était déjà allumé. Il est sur on. En fait, il faut mettre les piles. Ouais. Ouais, il faut mettre les piles. De piles. Bon, ouais, du coup, j'ai pas de piles là, je peux pas l'essayer. Mais en tout cas, voilà. 42,5. Ouh là là, tu peux aller te recoucher. Bon. Un thermomètre. Franchement, j'aurais jamais eu l'idée de commander un thermomètre sur Wish. Parce que je me serais dit, moi, la personne, quand elle va l'ouvrir, va faire une drôle de tête. Mais je crois qu'elle a pensé au Covid, en fait. Ouais, mais c'est comme si elle t'avait envoyé des masques chirurgicaux. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Bon. On ira pas penser. Continue. Hey. Ensuite, bon, celui-là iPhone. Ou celui-là le petit. Celui-là. Une autre boîte. Tu penses que c'est quoi? Un sapin de Noël. Pourquoi un sapin de Noël petit comme ça? Ok, une autre guirlande de Noël. Quand même, ça m'a pris que des guirlandes. Attends, vas-y, montre la, un peu le dessus. Attends, un marteau. un truc pour faire de la mécanique. Un pommeau de douche. Non mais attends. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais attendez, je crois que c'est un pommeau de douche avec la température de l'eau. Attention. Non, mais attends. Je crois qu'elle a cru qu'il fallait que je me lave pour pas attraper le Covid pendant la période de Noël. Non, mais est-ce que toi, t'aurais eu l'idée d'envoyer ça? Jamais de la vie. Je suis surprise. Après, peut-être que la fille, elle s'est dit, c'est pas si c'est une fille ou un garçon, donc elle va commander pour mixte. Moi, si je sais qui c'est, je vous donnerai le nom, parce que il faut que vous alliez voir la vidéo, moi, ce que je lui ai envoyé. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je lui ai envoyé, moi. Et si c'est un garçon? Elle t'a dit que c'était une fille? Non, je sais pas du tout si c'est une fille ni un garçon, je sais rien. Si c'est un garçon, par contre, il y a des... Si, ça va pour les deux, ce que t'as envoyé. Ça, ouais, le meuble et tout. Ouais, c'est vrai, franchement, c'est trop bien ce que j'ai franchement, envoyé. Le meuble, moi, j'aimerais trop l'avoir. Alors, si tu le veux pas, tu peux l'envoyer. Je te donne mon adresse. Je pense qu'elle va être contente de ce que je lui ai envoyé quand même. Ouais. Elle va se dire. Très chier, je du coup, je suis contente parce qu'il y a eu un échange d'articles et je suis bien contente de ce qu'elle va recevoir du coup. Je vous dirai tout ça après. Ensuite. C'est vrai que. J'aurais pas pensé à envoyer un pommeau de douche quand ça, même. Ça, c'est un sapin de Noël. Imaginez, j'étais musulmane. C'était pas Noël. Ouais, c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui fêtent pas Noël. Je n'aurais pas pensé à envoyer un sapin de Noël. Mais c'est... Oh, mais il est mignon quand même. Oui, mais bon, ça, tu l'achètes, quoi, au magasin. C'est un sapin de Noël. Ouais, franchement, j'aurais aimé quand même avoir des trucs... comment on appelle ça? Originaux. Ouais. Y a... bon, après, elle a pensé que c'était période de Noël, je pense. En vrai, de vrai, sur Wish, il y a tellement de belles choses. C'est ça, en fait, qui fait chier, tu vois. Après, ouais, pour chier. Wish, c'est comme AliExpress, quoi. Tu trouves de tout. C'est... Quoi? Mais attends, je suis en train de penser. 200 euros. Là, pour le moment, t'as même pas 30 euros. Ouais, c'est vrai. Ils sont où les 200 euros là? Attends, on est sur Wish. Ils sont où les 200 euros?
Je me pose la question. Donc attendez. Bon après ça va, c'est joli, mais j'aurais pas pensé à acheter ça non plus. Tu prends un voyage chez toi quand même. Non, ah, je mettrai les cadeaux au pied. Ou alors, ouais, je sais pas, on verra. Il s'allume ou pas? Ah, il doit s'allumer. Non, non, il est quand même mignon. Il est quand même mignon. Ah oui, s'allume. Mentir. Mais je pense pas que là pour l'instant. Il faut l'accrocher, la maman. Il y en a pour 200 euros là, non? Attends, ouais. On va voir parce qu'il y a un gros cadeau en bas. Peut-être. Peut-être que les deux autres cadeaux, c'est des gros cadeaux. Mais. Oh, ça tient pas. C'est cassé. Vas-y, essaye d'allumer, voir. Mais je dois pas avoir de pile. Non, je pense qu'il n'y a pas de pile. C'est déjà sûr. Oh, il n'y a pas de pile. Donc, à mon avis, ça s'allume. Bon, je vais avoir une belle décoration de Noël. Après, je vais pouvoir me doucher et prendre ma température. Pour aller au lit. Il en reste combien? Est-ce que je passe? Il en reste que deux? Il en reste que deux. Je connais les deux derniers. Alors là, je crois que le gros d'abord. C'est les meilleurs. Donc, alors là, j'ai eu celui-là. Alors, par contre, celui-là, il est énorme. Alors, j'espère que c'est un beau cadeau, celui-là. Alors, moi, je te donne un indice. Permis de conduire. Pourquoi permis de conduire? Bah, je sais pas, tu verras. Ah, non, je te donne un indice. Mamie et bébère. Mamie et bébère? Ok, mamie et bébère. Mamie et bébère. Oui. Putain, mais regarde, mes cheveux, ils sont mal lissés. Mamie et bébère, attendez. Mamie et bébère. Mamie et bébère. Mamie et bébère. Mamie et bébère, salon. Mamie et bébère, gros salon. Ouh! Table de billard. Mamie bébère, regardez, on vous a trouvé une nouvelle table de billard. Je vous avais vendu la vôtre, je l'avais trouvé une plus petite, elle prend moins de place. Une table de billard. Non, ça franchement, par contre, je suis désolée pour la pessimicité que je vais mettre dans cette vidéo, mais personne n'aime le billard en France. On est 2% de Français à aimer le billard. Je suis désolée, je déteste le billard. Mais en vrai, en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le billard, c'est une taquette. Si, les vieux. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, après, il y a des jeunes. Il y a des gens qui aiment aussi, les jeunes et tout, qui aiment y jouer. Bon, il y a tout, hein, y a les trucs et tout. Après, oui. Les jeunes, ils y vont, mais en salle. Si, il y a des gens qui aiment le billard. Mais, en vrai, si, ça peut être cool après, pour que Shane et moi, on joue de temps en temps. On va se faire une petite partie de billard. Après, elle connaissait pas mes goûts, donc elle pouvait pas savoir si j'allais aimer ou pas, mais moi, j'aime pas. Ouais. Elle aurait pas pu savoir, mais c'est trop risqué d'offrir ça, je trouve. Ouais, mais tout est risqué d'offrir tout ça. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aurais pu être musulmane et pas fêter Noël. Après ça tu peux l'offrir à quelqu'un en cadeau genre. Elle s'est dit ouais ben si elle a des enfants elle pourra l'offrir à son enfant ou quoi non. Je crois que je vais en faire cadeau à quelqu'un à Noël. Ouais. Parce que ben moi je joue pas du tout au billard. J'ai joué chez ma mère et j'ai pas aimé. Ouais, ma mère elle avait une vraie table de billard, une grosse table de billard. Pour ça j'ai dit mamie et bébé. Pour l'instant c'est un sans faute on va dire. Et le dernier cadeau. Ah voilà, l'indice c'est permis de conduire. C'est pas permis de conduire. C'est le meilleur. Bon, la boîte est ouverte. Hein. Ça, c'est un cadeau pour Chachouna. Non, mais je rêve. Je pensais que c'était une baffe ou un truc. Élu le swap le plus ennuyant de YouTube. Non, mais je crois qu'elle en a eu pour tous les goûts, là. C'est là, mais là, vous allez halluciner. Maman, t'aurais pas dû l'ouvrir pour un Shine, il aurait eu un cadeau à Noël, au moins. Une voiture télécommandée. Je sais pas si tu dois rire ou pleurer. Ah là là, la déception. Putain, mais je croyais avoir des beaux trucs et tout. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai eu des trucs inutiles. Désolée, madame ou monsieur, si tu vois cette vidéo, mais tu as pas très bon goût. Désolée. Pour les cadeaux, je parle. Après, rien à voir avec le site Wish, c'est surtout à voir avec mes goûts à moi. Parce oui, qu'après, voilà. La voiture, franchement, elle est de super bonne qualité. Elle est. Oui, ouais, elle est franchement super bonne qualité. Si c'était un garçon qui aurait reçu une gamer. Voilà. Franchement, super bonne qualité. Même. Une gamer, il aurait reçu ça, il aurait été trop content. Ouais. Ça aussi, après, on va essayer. Ouais, on va après, prendre ça peut être. Thermomètre, ça. Mais voilà, c'est pas mes goûts. C'est pas mes goûts, mais ça fera quand même un heureux. Un heureux. Bon. Mais voilà. Mitigé. Bon, la guirlande, je vais m'en servir. Hein. Le pommeau de douche aussi. Ouais. Le thermomètre, tu le prendras. Et le sapin, on va en faire une petite déco. Hein. Et puis Chahine, il va jouer avec la voiture. Hein, Chahine ? C'est ton premier cadeau de Noël. Ouais, Chahine, il me l'a sorti. Bon, elle est belle. Hein. C'est un 4x4. Belle, hein, petit garçon, il serait content de recevoir ça. Mais après, comme elle ne savait pas du tout, c'était qui la personne qui.
qui allait recevoir le swap. Du coup, elle, je pense qu'elle a fait un peu pour tous les goûts, quoi. Aussi. Table de billard. Après, c'est un peu. Pour moi, c'est un mec qui a choisi ça. Parce que table de billard, voiture télécommandée, pour moi, c'est un mec. Ouais. C'est pas des goûts de fille, ça. Mais du coup, il faut quand même qu'elle vous dise ce qu'elle lui a envoyé. Parce que, ouais. que vous fassiez la différence entre 200 euros pour lui et 200 euros pour nous. Genre. Donc du coup, moi, ce que je lui ai envoyé, je vais vous mettre tout en petite image ici. Alors, en premier, je lui ai envoyé un appareil photo Polaroid. Que je rêve d'avoir. Qu'elle rêve d'avoir, vous savez, avec plus les cartouches qui sortent. Voilà, le Polaroid. En fait, c'est l'appareil photo Polaroid. On se prend en photo, il y a la photo qui sort, on secoue voilà. Et on je vais le mettre ici. Je lui ai envoyé un téléphone portable, imitation Huawei ou Samsung, un truc comme ça. Voilà, quelque chose d'utile. Je vous mets la photo ici. Et puis même, ça c'est intéressant parce que, admettons, il a des parents ou des grands-parents âgés, il peut offrir. Voilà. Après, je lui ai envoyé un grand meuble chaussures où on peut mettre 48 paires de chaussures. Transparent. Vous savez, les grands meubles avec les trucs transparents qui sont super beaux que les influenceurs ont derrière eux. Trop beau. J'ai envoyé ça. Et je lui ai envoyé, à la base, je lui avais envoyé une perruque blonde coupe au carré, parce que je me suis dit, ben voilà, pour essayer. Pour, bon, après, si c'est un mec, il la donne à sa copine. Ouais. Ou à sa mère. Et en fait, Wish m'ont écrit parce qu'il y a eu des soucis de pour que la livraison soit plus express. Il y a des articles qui ne pouvaient pas envoyer ça expressément. Donc du coup, ils ont choisi d'autres articles. J'avais choisi ça et j'avais choisi aussi un sac contrefaçon, Louis Vuitton. Le dernier trop sac beau. Louis Vuitton contrefaçon. C'est un faux, mais trop beau. C'est un faux, mais trop trop beau. J'avais vu les photos et tout, donc je lui avais envoyé ça. Et franchement, j'étais trop cool, moi. À part si c'est un mec, mais j'ai été trop cool. Mais après, tu t'es dit que c'était... Logiquement, ils font fille avec fille, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, je sais pas, en fait. Et alors, du coup, vu que le sac, ben, je pense qu'il y a eu le souci de fabrication et tout ça, vu que c'était livraison, il n'y a pas de livraison express pour ce sac, à la place, il lui a envoyé une autre perruque rouge, cheveux longs, j'ai pas choisi. Et alors ça, c'est ma vengeance personnelle. Et à la place, il lui a envoyé un gros poisson comme ça, une carpe en peluche que je vous mets ici. Finalement, c'est une vengeance. Mais vaut mieux avoir un gros poisson carpe quand même qu'une table de billard. Non, il y en a que... Moi, j'aime bien le poisson carpe. Si je l'offre, quelqu'un sera plus content d'avoir ça qu'un poisson. Ouais, c'est vrai, c'est plus utile quand même. Je vais l'offrir. C'est vrai que le poisson, c'est inutile. Donc voilà, mais après, franchement, c'était une bonne expérience. J'aime bien recevoir des trucs comme ça que tu sais pas. Ouais, ben on va se le faire. D'ailleurs, putain, je le souviens de la figure. D'ailleurs, avec Tyssen, là, au mois de décembre, on va vous mettre tous les jours une vidéo. Et maman, j'espère que tu vas prendre des trucs bien. Hein. J'espère que tu vas pas utiliser que 50 euros pour moi. Parce qu'au moins, je vais mettre de l'argent. Mais, hein. Écoutez, là. Oula! Attendez, imagine moi la fille, je lui prends pour 200 euros d'article et elle m'achète. Mais non, je t'ai demandé un sac. Ouais, elle m'a demandé un sac à 500 euros. Non, mais le culot des gens, s'il te plaît. Alors, du coup. Mais j'ai dit, je le paye avec toi. Le soleil là. Ouais, du coup, avec Tyssen, tous les jours, on va vous mettre une vidéo sur YouTube. Ça ne durera pas longtemps. Hein. Ça sera une vidéo qui durera 3-5 minutes. Bon, on parle tellement. Ou sinon, alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on. Non, j'allais dire on attend le 25 et on poste la vidéo entière, mais... Non, c'est bien tous les jours, parce que les gens, tous les jours, ils vont regarder, ça sera leur quotidien. Donc, on va faire un swap avec Tyssen. On doit se commander 25 articles. Donc, on a décidé de se faire 3 articles, beaux articles par semaine. Après, beau, c'est pas des trucs à 50 euros, hein, je t'avertis, hein, je vais pas te faire 12 articles à 50 euros. Hein. Pourquoi 3 fois 4? Non, c'est pas 4. Ça fait 12, hein, 3 fois 4, 12, hein. Il y a 4 semaines. Hein. Pas 4 semaines jusqu'au 25, maman. Si, j'ai compté il y a 4 semaines. Donc ça fait 12 beaux articles. Oui. Et c'est quoi que tu en prends? En fait, je sais pas quoi te prendre, donc je veux savoir c'est quoi que tu prends. Donc on a décidé 3 articles beaux par semaine et puis le reste n'importe quoi. Non, bah oui, pas tous les articles à 50 euros, hein, c'était folle toi. Ah bon, voilà. Ouais, quand même. Mais me prends pas des trucs inutiles, hein. Prends-moi des trucs que j'aime quand même. Ouais, hein. Mais toi aussi, hein, quel culot, hein. Bah oui, je veux pas te prendre une paire de chaussettes Nike alors que tu t'en fous. Oui, voilà. Et voilà. Oui, mais ça fera partie des vilains articles, ça. Des chaussettes Nike, non? Quel culot. Donc voilà, on va faire un swap nous aussi pour vous dire pour Noël. Bon, alors, on revient à notre vidéo. Je vous mets un code promo parce que du coup, vous avez un code promo pour le site Wish. Voilà, vous avez un petit code promo en dessous là, en barre d'infos. Je vous mets tous les articles que j'ai reçus et je vous mets tous les articles que je lui ai envoyés. Voilà, donc je pense que ça sera tout. Hein. Je pense que ça sera tout, voilà. Ben, vous avez vu ma réaction en direct. Que pensez-vous de ce que j'ai reçu? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce que j'ai reçu et de ce que vous avez pensé de ce que j'ai envoyé. Pour vous dire que
voyez, vous me connaissez depuis le temps, vous voyez bien quand même que j'ai un bon cœur quand même. Hein, hein? Franchement, je suis trop gentille en fait. Hein? Mm. Dis oui. Oui. Et bon. J'attendais. Donc, ouais. Moi en vrai franchement je crois que j'aurais pris des j'aurais pas pris des trucs que je veux moi parce que j'aurais été jalouse qu'elle les reçoit. Ouais. J'aurais pris des trucs bien mais pas trop quand même. Mais je crois que c'est ce qui se passait. Je crois qu'elle avait pas envie que je sois contente, je crois. Bon, on verra. Ben, si je sais qui c'est, je vous le mets. Bon, ben allez, je vais ranger tout ça maintenant. Je vais ramener tout ça à la maison. Bon, ça va rester dehors et l'année prochaine on va tout. Le swap de l'année dernière, qu'est-ce qu'ils font là? Bon allez, on vous laisse là. On vous fait des gros bisous. Ouais. Et puis on vous dit. On a d'autres vidéos à faire, donc bye et à jamais. Ouais, allez, bye bye.